ce déplacement de la DDFE à Lyon était vraiment formidable et évidemment très instructif, puisque d'une part, on a entendu beaucoup d'auditions, en fait, lorsque nous étions au CESE, d'experts et de différents acteurs et actrices qui nous démontraient que le dispositif EVARS, pourtant obligatoire, 3 fois par an dans chaque classe, n'est jamais appliqué. Mais en revanche, sur le terrain, de l'entendre dire par les principaux concernés, ça a été vraiment très fort. Je pense qu'on gardera particulièrement en mémoire cet après-midi qui a réuni diverses associations de terrain qui sont très compétentes, qui ont vraiment peu de moyens et qui, en fait, portent vraiment les devoirs de la République sur leurs épaules parce que le sujet serait déserté sans l'engagement et le militantisme de ces associations. Par ailleurs, ce sont quasiment toutes des femmes. Donc on voit vraiment bien que cette question de la vie affective et sexuelle, qui est pourtant une question, un sujet national qui concerne toute une société, pour l'instant est essentiellement portée par le milieu associatif ou les espaces hors scolaires de jeunes, alors qu'en fait, il y a une responsabilité en matière de politique publique.